Salut tout le monde, c'est The Mystery Paul. Tac, attendez, je cherche juste un petit truc, voilà. On se retrouve donc en live sur Minecraft. Ah, mince, j'ai oublié de changer de nom. Oh, je changerai la prochaine pause, écoutez, parce que j'ai un peu la flemme. On se retrouve sur Minecraft, en live, comme je vous dis. Vous avez dû remarquer, j'ai un nouveau petit son là. Oula, j'ai un petit lag. Mais j'ai un nouveau petit son qui doit quand même bien rendre, je l'espère pour vous, en tout cas. Puisque j'ai un nouveau micro, j'ai déjà tourné la vidéo mais où j'ai ce nouveau micro, mais le problème c'est que j'ai il faut que je fasse le montage et la pluie commence bien. Tac, et j'ai mis trop de nombre, ça devait arriver. Salut Slimix. Du coup on va aujourd'hui, vous voyez cette jolie petite maison. Alors si vous me suivez sur Twitter, eh bien cette jolie maison, ben vous l'avez sans doute déjà vue. Donc je me suis mis au moderne et faut avouer que c'est plutôt pas mal quand même. Bon, moi, j'apprécie plutôt cette petite maison. Il y a quelques incohérences, mais presque rien. Donc c'est plutôt sympathique. Le problème, c'est que nous allons le voir, cette petite maison est totalement vide. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va l'aménager un peu. Après on va voir, on va peut-être switcher sur un autre truc. Alors soit on va faire du iPixel comme un peu d'habitude, soit on va peut-être switcher avec Jujugo. On fait une petite map et quand je lui ai dit que je faisais un live, il m'a proposé de pourquoi pas faire une partie du live sur cette map. Donc on verra si à un moment on commence à se lasser de faire cette petite maison moderne. Ok? Donc on va pouvoir tout de suite commencer. Hashtag ver de terre, oui, avec une magnifique faute. Je sais pas si je sais pas si tu t'en es rendu compte. Alors d'abord, on va faire un petit tour du proprio, vous expliquer un peu où je vois un peu les salles. Donc là, ben, petite plage privée, bien sûr. Ici, je sais pas du tout ce qu'on pourra mettre. Une chambre peut-être. Ou ouais, je sais pas, un hangar à hangar. Un hangar à hangar, bien sûr. Donc ici, tout simplement, une entrée. Donc une petite salle avec pourquoi pas le salon aussi. Ici, bah, ce serait aussi une autre entrée, mais pour le garage, hein, comme vous voyez. D'ailleurs, une petite entrée ici, qui est bien sympathique. Et les garages qui sont assez grands quand même, on va peut-être éclairer tout ça. Bon, pour l'instant, je mets des torches, ça va pas rester. Donc, tac, les petites torches pour éclairer tout ça. Donc là, ce sera une entrée, je pense. Dans ce petit coin, on verra ce qu'on fait. Ou peut-être le salon, oui, il y aura beaucoup de salons. Ou la salle à manger. Peut-être la salle à manger. Dans ce coin par là, enfin ici, on mettra sûrement la cuisine. Puisque là, on voit qu'il y a de la pierre au mur, donc pourquoi pas, à la limite. Et ici, donc je sais pas, on verra une petite salle. Donnez vos idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Un petit bureau peut-être, ça serait sympa un petit bureau, non? En plus. On encadrera peut-être ça, donc dans le bureau, des petits bambous, ça pourrait rendre très bien. Et donc forcément, il y a un étage. Donc l'étage, il y a deux terrasses qui sont très sympas. Bon, je sais pas, moi je trouve ça super sympa, il y a des terrasses. Surtout quand on a une vue comme ça, hein, je voudrais pas dire, mais c'est plutôt le swag. Donc une terrasse ici, donc ce sera sûrement une chambre. Et ici, il y a une autre terrasse, donc aussi une chambre sûrement. On va voir. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de salon extérieur. Donc, on verra si on fait ça aussi dans ce live. Mais c'est pas sûr du tout. Donc, on va commencer par l'étage du bas, je pense déjà. Donc, on va voir comment on va faire. Donc, on va faire un petit couloir déjà. Va falloir qu'on sépare tout ça. Enfin, on va faire des murs, quoi, à peu près. Et je ne sais pas trop comment on va faire. On n'est même pas obligé de faire des murs. On peut faire des cloisons. Alors, par contre ici, non, on va pas faire de mur. On va faire une grande salle, mais qui sera séparée. On verra par des petits codes et tout ça. Dites-moi aussi si le son de la musique, tout ça est bon par rapport à ma voix, hein, je parle. Du coup, on va prendre des petits escaliers en bois pour l'instant. On va poser ici. Non, non, pas des escaliers, j'ai mieux. On va y aller plus doucement avec des petites demi-dalles en bois. Tac. Qui passeront mieux, je pense. Faut vraiment que ce soit. Faut que ça aille doucement, je pense, pour la monter.
Maintenant que j'y pense, ici on aura peut-être moins de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir d'un. Voilà. Tac, comme ceci. C'est plutôt sympathique. Donc je sais pas quel bloc on pourrait mettre. Casser cette torche. Ouais, donc je réfléchis. La partie cuisine principale sera sûrement là. On va peut-être raccourcir la fenêtre. D'un. Tac. Voilà, on a plus de place pour la cuisine déjà, ce sera mieux. Alors je suis pas très bon en aménagement, donc c'est pareil, si vous avez vraiment des bonnes idées, dites-les-moi surtout. Ça peut être très utile. Tac. Mince. Faut pas tout casser non plus. Faut pas les conneilles. Donc aujourd'hui je suis tout seul parce que November pouvait... pouvait pas venir pour l'instant, peut-être qu'elle me rejoindra en milieu. Et puis comme je vous dis, on rejoindra peut-être Jugo à un autre moment. On ira peut-être sur Redwood, on va voir ce qu'on va faire, mais de toute façon, on a le temps. Est-ce que le birch, je sais pas comment on le dit, mais ça rendrait peut-être mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que oui. Par contre, je sais pas ce qu'on peut mettre au sol de trop. Tac. Ouais, du moderne, bah oui, le moderne c'est cool. Du coup, quel bloc pourrait-on mettre au sol? De la stone brick peut-être? Non. C'est plus pour l'extérieur, la stone brick. Même dans le médiéval. Le problème, je mettrais bien du bois. Mais le problème c'est que ça risque de... Bah, je sais pas. Faudrait plus du carrelage. À la limite, on va mettre du quartz, on va voir ce que ça donne. Quartz, quartz, quartz. À la limite, on peut même mettre le quartz avec ce pack de textures. Il est comme ça. Ça rend peut-être bien. Écoutez, on va poser et puis on va bien voir. Tac. Attendez, on peut déjà avoir un aperçu, je pense. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Qu'en pensez-vous? On va voir un peu sur toute la ligne. Ça peut faire bien pour une cuisine, peut-être. Mais je trouve ça un peu bizarre. Ça fait peut-être trop extérieur. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en pensez quelque chose, bien sûr. Si vous n'avez pas d'avis sur la question, bah... Vous n'avez pas d'avis, tout simplement. Ça peut rendre bien. Par contre, du coup, j'ai raccourci la fenêtre, donc il faudrait peut-être réparer... ce que ça donne. On va peut-être faire genre un truc comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà, maintenant qu'on a réparé ce petit problème, ça fait carrelage. Oui, bah si ça fait carrelage, bon, on va dire que c'est bon. Si vous êtes contre cette idée de carrelage, eh bien vous me le dites. Du coup, on va pas tout de suite s'attaquer à l'aménagement. On va plutôt faire, enfin, on va faire plutôt les autres pièces. Donc, à cet endroit-là, ça sera le bureau, donc un petit bureau, bien sûr. Ce sera pas le principal, je pense. Ce sera une partie du bureau. Il y en aura peut-être d'autres à l'étage. Mais du coup, on va mettre du bois là, par contre. Même du spruce. Ça peut rendre mieux le spruce, je pense. Si je trouve que ça fait plus, ça fait mieux, peut-être. Voilà, c'est tout beau, c'est tout mignon. Donc là, on va mettre un petit bureau bien sympathique. Et là, vous voyez, oh, j'ai fini de travailler. Allons préparer la cuisine. Je sais pas, j'invente des trucs. Donc ici, on va mettre le salon, je pense. Et ici, par là, la salle à manger. Donc pour le salon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Du bois normal, peut-être. Ou attendez, est-ce qu'il n'y a pas un autre bloc plus original? Un bloc plus original. Le petit bureau de The Mysterious Apple, bah oui. Sympathique petit bureau, écoutez. Écoutez, je ne sais pas trop quoi mettre. On peut, bah allez, on va mettre du bois. Au pire, on peut changer. Par contre, il commence à garder. Tac. On ne voit pas beaucoup mieux. C'est pas trop sombre sur le live. Par contre, j'ai l'impression que ça bug pas beaucoup. Est-ce qu'il est mieux? Parce que j'ai. En fait,
Pour la petite histoire, j'ai. Attendez, on va quand même mettre des torches parce qu'on va un peu rien. Pour la petite histoire, j'ai augmenté la qualité visuelle du live. Le problème, c'est que ça laguait et j'ai peut-être trouvé un compromis. Apparemment, ça bug pas. Donc, j'en suis plutôt content. Je dois vous l'avouer. Oh, non, ça va pas aller. Je sais pas. Non, il faut un truc plus moderne pour le salon. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour le salon? Ça me pose une colle. Et si on mettait ça? Eh, mais attendez, ça fait classe ce dessus. Le problème, c'est que ça passe pas trop non plus, quand même. Il y a des limites à la connerie, comme on dit chez moi. C'est très 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 sombre. Oui, bah, j'ai rééclairé. C'est moins sombre. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Si on met du quartz, j'avais déjà du quartz, mais c'est pas grave. Non, ça va pas le faire, je pense. Parce que, ouais, je sais pas, non. Faut un truc. Un truc plus chaud. Enfin, c'est le salon, hein, donc. Pourquoi pas du jungle? Parce que, en fait, je me rends compte, j'ai dit pas de bois. J'ai dit pas de bois. C'est comme si je disais pas de bois normal plutôt, parce que le jungle peut rendre bien pour un salon. Je sais pas. J'en sais absolument rien. Je sais pas, ça me gêne un peu. Sachant que ça irait jusque-là, je pense. Tac. Imaginons que le salon aille jusque-là. On arrive, posé. Il y a le salon. Je sais pas. Je sais pas du tout. Avec des tapis. Quelle sorte de tapis après? Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Un bloc qui reflète la lumière. Ouais, mais quoi comme bloc qui reflète la lumière? Enfin, un bloc qui reflète la lumière. Tu veux dire quoi par là? Enlever toutes ces mauvaises herbes là. Bon, en attendant, la salle à manger sera ici. Bah non, parce que là c'est l'entrée. C'est un peu l'entrée partout. Ou alors là c'est la partie cuisine et là c'est la partie salle à manger ici. Enfin, ici c'est la cuisine. Non, parce qu'il faut de la place pour la cuisine, sachant si on fait un petit bar peut-être à la nuit. Ça peut être sympa. Ouais, j'hésite en fait à raccourcir ici. Vous voyez, parce que ça gagne en place pour ça. Et ce se rendrait peut-être mieux si, regardez, si on met ça comme ça. On pourrait presque ici remplacer par un petit un escalier en acacia, ça rendra peut-être mieux. Tac. Ouais, là ça rend mieux. Par contre, pour le premier là-bas, j'avais caché. On va prendre. Tac, un petit bloc de glass pane. Pour cacher ça ici. Pour pas qu'on puisse l'atteindre. Et par contre, ça fait bizarre avec l'eau. Parce que là, j'avais arrêté juste avant. Là, j'aimerais bien cacher l'eau. De la white clay. Ah, la clay, j'y avais pas pensé, effectivement. Je vais juste finir ce que j'ai commencé là. Tac. Why not? Donc là, la clay. Mon texture pack, c'est le Flow. Attendez, je vais vous montrer le nom précis. Flows HD Wovi Roll 64 fois truc. Voilà, parce que c'est le swag. De la clay. De la white clay, je sais pas. Parce que dans ce mode, elle est vraiment blanche. Mais peut-être une autre clay, ça peut le rendre bien. Mais laquelle? Blanche, blanche, bah ça rapprocherait du quartz, c'est le problème en fait. Peut-être gris. On peut essayer à la limite. On va en prendre plusieurs. Gris plus foncé. Rouge pétant, non, peut-être pas. Parce que le. Ouais, je sais pas. La stanine clay énorme. La hardenette, pardon. Peut rendre bien aussi. Bon, on va tester.
Ah non, alors ça c'est pas. Ça ferait peut-être trop terne. Ouais, c'est trop terne pour un salon. Et je suppose que la grise foncée aussi. Peut-être que celle-là fait plus peut-être moderne. Et ça rend peut-être mieux. Et c'est pas mal ça. Peut-être trouver un bon compromis là. Vous voyez, je préfère presque. Ça fait plus moderne. C'est pas mal, mais après, c'est rien mieux peut-être pour la salle à manger, je sais pas. Attendez, on va tester la hardenette normale. Non, c'est un fail. Dans le monde. Ah mince. Du coup, j'ai supprimé la hardenette qui est là. On va voir ce que ça donne. Ça fait peut-être trop hardenette ou ça fait peut-être bien. Ça dépendra. Tac. Je vais devenir décorateur. Oh, je sais pas, mais je m'entraîne. Oula, ça fait bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu bizarre. Ça me passe mal dans la gorge. On va mettre le gris. Le gris, c'est le meilleur compromis. Hein. Alors, par contre, ça c'est. Ouais, ça c'est le gris clair et ça c'est le gris foncé. Mais je suis pas le meilleur non plus dans ça. On verra peut-être à faire une vraie construction après, si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'en intérieur, c'est un peu plus compliqué. J'ai envie de vous dire. C'est plus dur. Tac. Ouais, ça passe. Allez, le salon ira jusqu'à la deuxième entrée, comme ça. Parce que nous, on a des salons badass dans ce monde. Hein, parce que. Déjà, quand on a une maison. Quand on a une maison qui est ici et tout ça. Déjà, on est un peu riche. Voilà, regarde. Déjà, on est un peu riche. Et puis ensuite, voilà, on. On peut se permettre d'avoir des grands salons. À mon avis. Moi, si j'avais cette villa un jour. Ouais, c'est pas mal. Du coup, pour l'entrée, on peut peut-être mettre la grille claire. On peut peut-être se le permettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sachant qu'il y aura des décos. Du coup, il faut tout remplacer par du gris clair, ce qui risque d'être très chiant. Je ne suis pas en serveur, donc je vais pas avoir d'edit. Du coup, on fera peut-être ça après. Non, parce que je vais peut-être commencer par l'entrée, en fait. Mais du coup, c'est un peu moins clair. Le salon? Le salon est moins clair? Ouais, mais je sais pas. Ça me choque pas plus que ça, que le salon soit pas clair. Tac. Tac. On peut déjà commencer à faire le salon, je pense. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est. On va pouvoir vraiment commencer à mettre des petits meubles et tout ça, ce qui risque d'être plutôt sympa. On va peut-être mettre un petit truc en birche comme ça. Voilà, et on va mettre, je pense. Petit meuble comme ça. Voilà. On va mettre un petit pot de fleurs. Pouf. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je sais pas. Est-ce que si on met un truc genre comme ça? Est-ce que ça rend bien? Ouais, j'ai un peu des doutes. On va juste laisser comme ça, ça suffira, je pense. Voilà, comme ça. Et on va peut-être mettre des petites carpettes. Voilà. Et une petite fleur dans le pot. Une petite fleur rouge, comme ça. Qui est plus rose. Regardez, ça bouge. C'est trop mignon.
Oh, coucou Number! Alors, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir peut-être mettre de l'éclairage parce qu'il fait un peu nuit. Sachant que là, ça sera comme ça. Est-ce qu'on peut pas faire un truc sur le plafond? Qui soit à peu près centré. À peu près, je parle. Si on met un truc comme ça, qu'est-ce que ça donne? Oh, coucou Jujuko! Bonjour Flo-Louis. Flo-Louis. Ouais, c'est mignon, ça bouge les petites fleurs. C'est joli. Par contre, on va remettre le jour. Tac. Du coup, on va mettre une petite. Une petite lampe. On va mettre un. Alors, ça, c'est pas une lampe. On va mettre ça. Mais attends, j'ai pas fini, hein. Arrêtez, ne criez pas tout de suite. Tac. Ah oui, bah salut Florentin. Tac. On pose ça comme ceci. Et. Ah non, c'est vrai que ça marche pas. J'allais dire, on peut mettre une carpette contre le truc. Parce qu'il y a un moyen de faire voler les carpettes. Et toutes les trucs qui ont la gravité d'ailleurs. Comme le gravier et tout ça. Sauf que le problème, c'est que les carpettes, elles sont sur le bloc bas du truc. Donc en fait, on est obligé de mettre des demi-dalles. Et le problème des demi-dalles, le gros problème, c'est que ça prend de la place. Et ça m'embête. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de compromis à ce niveau-là. Merci les pompiers qui passent. Je sais pas si vous les entendez. Ok, bon, dès qu'ils sont arrivés devant chez moi, ils ont arrêté de sonner. C'est pas pour me déplaire. Bon, allez, à la limite, on peut laisser ça comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, allez, soyons fous. Si vous avez des idées pour cacher cet endroit-là, vous me le dites. Ou même pour améliorer la lampe, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ah, si on était en 1.8, j'aurais mis un bouton. Voilà. mais sauf que nous ne sommes pas en 1.8, donc ça pose quelques légers problèmes. Donc, on a fait ça. On va peut-être faire un mini paillasson. Paillasson. Un mini paillasson. Ouais, ici, voilà. On arrive, on s'essuie les pieds, puis on continue. Par contre, ça lag un petit. Un chouïa, j'ai l'impression. Enfin, il y a des petits freeze. Je sais pas pourquoi. On verra si ça continue. Je baisserai peut-être un peu la qualité. Oula. Attendez, on va voir. On va peut-être baisser un poil. Voilà. Ça s'appelle gagner en qualité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a dans une entrée? Je réfléchis. Il y a un porte-manteau. Voilà. Alors, on n'est pas en 1.8 non plus. Je vais pas pouvoir mettre de porte-armure. Ce qui est un peu triste, il faut l'admettre. Donc on va faire avec les moyens du bord. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors là, ça pose problème. Là, c'est trop éloigné de la porte. Là aussi, ça pose problème. On va mettre un petit porte-manteau ici. Tac. Et je pense que ce qu'on va mettre, c'est pas du tout là. C'est peut-être des item frames, mais j'en sais rien. Bonjour, je suis le porte-manteau le plus bizarre de tous les temps. Attendez, si on met. Ah, ça. Ah non, je voulais pas qu'il se mette comme ça. C'est horrible. Bon, c'est pas grave, on va mettre juste ça comme ça. Voilà, on dit que c'est un porte-manteau et puis taillot. Tac, et on va mettre un petit truc au-dessus. Voilà, bien sympathique. Il nous faut aussi un. Pour les parapluies. Du coup, là, on va peut-être prendre un chaudron. Par contre, les chaudrons, il fait peut-être trop chaudron. Ah, j'aurais bien aimé qu'il soit plus petit. Genre qu'il fasse une demi-dalle. Il n'y a pas une demi-dalle avec un trou à l'intérieur. Ça serait cool. Mais ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ah, si, il y a ça. Attendez. Bah, voilà. Ça, c'est pour poser les parapluies, si ça se voit. C'est un porte-manteau artistique. Mais oui, carrément. Carrément, carrément. Ouais, bon, bah, on va rester là-dessus pour l'instant.
Il nous faudrait une autre lumière comme celle-là. Alors là, Mathilde m'aurait été bien utile. Enfin, November m'aurait été bien utile. Parce qu'au niveau déco, elle est plutôt forte. Mais bon, comme ça m'entraîne à faire de la déco parce que je suis vraiment nul de ce côté-là. Ouais, c'est pas si choquant que ça, les lampes. Tac. Ah, c'est plutôt sympa, j'aime bien cette petite entrée, elle est jolie. Un peu vide, mais. Si vous avez des idées de quoi mettre, dites-le moi surtout. Du coup, on va faire le petit bureau. Donc, pour le bureau, on va mettre. un escalier normal, je voudrais. Oui, alors je parle très très la France. Un petit truc comme ça. Voilà. Et en coin. Et on va prendre une petite chaise. Donc, une chaise. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme chaise? Une chaise comme ça. Allez, soyons fous. Avec des petits item frame. Voilà. Pouf. Pouf. Voilà. Et un petit ordinateur, bien entendu. Alors, j'aurais pas dû citer l'item frame. Tac. Et la petite touche pour faire un ordi portable. Un clavier, bien sûr. Voilà, un petit ordi portable tout mignon, hein, comme on voit. Alors, on ne peut pas fouiller par contre, parce que si j'avais été en 1.8, comme je le disais, je l'aurais pu poser un bouton là ici, donc ça aurait fait une petite souris toute mignonne. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on peut mettre un tableau carrément? Ah ouais, on peut mettre un tableau. Bah voilà. Là, on a l'ordi du siècle, hein, je pense qu'on peut le dire. On va mettre. Ça fait quoi la redstone comme ça? Ah bah voilà, on a une souris. Ça ressemble à tout sauf à une souris, ce truc. Non, on va mettre une petite lampe, bien sûr. Je suis bête. Il y a quoi d'auteur? Ah, d'accord, ça devrait suffire. En fait, lampe. Ça le ferait? D'accord, ça fait pas du tout. Non, sinon on peut tout simplement mettre une torche. Parce que les torches dans ce truc. Ah oui, non, elles font des flammes quand même. Bon, bah, on va prendre un style normal, c'est-à-dire ça plus une lampe normale. Tac. Et on va reprendre ça pour l'abat-jour. Pourquoi il y a ça? Autant mettre tout en. Tac, comme ça. On découvre des trucs. Ouais, cette lampe, pourquoi pas. On va mettre ensuite un petit truc aussi. On peut mettre un pot de fleurs encore. Parce que c'est les fleurs, c'est joli. Et on met un arbre mort. Non, ça serait un peu bizarre. On va mettre un champignon. Oh, ça bouge pas, c'est triste par contre. Moi je pensais que le champignon il aurait bougé. Bon, ça serait un peu bizarre un champignon qui bouge, vous me direz, mais ça pourrait rendre bien. Donc voilà, petit cosy là, avec le petit truc bien sympa. Ah, mais je sais ce qu'on peut mettre là. On peut mettre des plantes par exemple, je sais pas. Mais le problème c'est que là il y a trop d'espace. Qu'est-ce qu'il y a dans une entrée? J'en ai fait le tour en plus. Lol, et te moque pas Hugo. C'est pas parce que j'ai des problèmes avec mon entrée que voilà. Bon, en attendant, on va laisser cette entrée comme ça. Parce que là, elle est sympa. Enfin, si on regarde que ce côté-là, c'est joli. Mais là, il y a un gros trou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par contre, ça manque de lumière de ce côté-là. Par contre, pour marquer les. Tac. Faire un truc comme ça, genre pour mettre. Regardez, il y a quand même une séparation de pièces, ça se voit, non? Voilà. Et du coup, ça le fait. Oui, c'est joli, non? Moi, je trouve ça joli. Tac. Non, ça c'était mieux comme ça, voilà. Alors là, je viens de faire trembler tout mon ordi. Bah là, on peut mettre une petite plante. L'eau qui est ici. Voilà. Petite astuce. Et là, on va mettre de la terre. Oui.
on va dire ça, un champignon qui bouge. Bah oui, les champignons ça bouge. C'est bien connu dans le monde. Dans le monde. On va remettre du bambou parce que. Ah, c'est pas là le bambou. Le bambou c'est joli. Oh, je viens d'avoir une idée, les gens. Vous avez peut-être crié au scandale, mais je viens de voir passer. Les beacons sans deck, ça rend bien. En lumière, je parle. Bienvenue. Non, là ça fait bizarre, mais ça rend bien dans la vraie vie. Si on met des stem frames. Non, c'est vrai. Tac. On met des petits stem frames. Voilà, tout simplement. Et bah regardez. Ça rend bien. Et ça éclaire bien en plus. On pourrait peut-être les mettre. La tablette du bureau. Mais non, c'est fait pour. Du coup, vu d'en dessous, ça rend mieux. C'est la magie. Par contre, il faut ça, voilà. Regardez, c'est la magie totale. On ne peut pas poser ça. Oh mon dieu, c'est horrible. Du coup, il nous faut quelque chose d'autre pour cacher. Là, je viens d'être berné par le propre jeu. Donc, j'ai un peu le seum. On peut le dire, je pense. Du coup, on va mettre des petits panneaux, ça rend peut-être bien. Alors, j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre. Peut-être déception quand même. Ah mince, j'ai mis un S. Ouais, du coup, ça fait bizarre. Ah non, mais attendez, ce qu'on peut faire à la limite. C'est. Alors, soit avec des escaliers, soit avec des demi-dalles. Alors, soit. Alors, on va voir ce que vous en pensez. Soit on fait un truc comme ça. Soit on fait un truc comme ça. Vous de choisir, hein. C'est trop beau. Hein. Moi je trouve ça magnifique. En vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve quand vous savez ce que vous voulez. Voilà. Du coup, on va faire la cuisine. Voilà, tout simplement. Du coup, ici aussi ça monte. Enfin, ici ça monte en fait, pas aussi, ça monte juste. Donc ce qu'on fait, c'est un truc comme ça. Là ça monte pas par contre. Donc, boucher tout ça, voilà, ça va monter comme ça. T'as pas le droit de dire pensei. Bah écoute, désolé, mais je mets des hey à chaque fois qu'il y a des hey. Ça devient maladif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tac. On va boucher ça comme ça. On bouge du mieux qu'on peut. On voit absolument rien. Tac. Voilà, c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli et on y voit plus clair aussi. Surtout. Tac. Voilà, comme ceci. Et on peut donc. Ah oui, en fait, c'est tout le temps comme ça. Attendez, je pensais que j'avais fait un truc. C'est qu'il y avait une différence d'hauteur. Mais en fait, non. À l'étage, j'ai mis tout à la même hauteur. Il n'y a pas de hey, c'est bien ça le problème. Oh, ça rime. Non, oui, mais je sais pas. Je suis fou, c'est pour ça. Aucune autre explication. C'est parce que, ouais, je sais pas. J'ai un problème mental. Je pense. Et tu me dictes pas ce que je fais, Number, d'accord? Tac. Ah, ça peut le faire. Par contre, ici, c'est bizarre. En fait, faut mieux pousser ici. Comme ça. Du coup, on garde ça. Du coup, là. Parce que je mentais. Voilà. Non, je mental. Si je critique, je fais ce que je veux, d'accord? Le mec, il a plus d'arguments, d'accord. Ah non, mais j'adore ce petit bureau là, j'ai envie d'avoir ce bureau. Regardez, vous êtes sur l'ordi, et là il y a la mer à côté de vous. C'est trop beau. Non, d'accord, il y a que moi qui pense ça. Je sens que Number il va me contredire, faire des trucs du genre, parce que voilà. Regardez là, c'est trop beau, moi j'adore. Par contre, cette entrée est trop vide. Et du coup, vous m'avez toujours pas répondu, ça me rend triste. Ça fait combien de temps qu'on live? Putain, ça va faire 30 minutes bientôt. Ah, par contre, là, on peut faire un truc avec les lampes. C'est que. Comme on est. Plus bas, voilà, on peut faire des trucs comme ça directement. Et du coup.
Moi j'ai pas la mer de côté de chez moi. Bah moi non plus en fait. Ça rend bien. Non. C'est un peu chelou. Oui, ça fait bizarre en fait. Parce que là ça rend mieux. Attendez. Ou sinon. Ah non, mince. C'était pas ça que je voulais. Moi j'ai la forêt. Bah voilà, moi j'ai. J'ai la campagne, hein. Chacun a ses trucs. Ça revient au même en fait ce que je fais. Ouais, je sais pas. Alors vous entendez les magnifiques bruits d'origine que je vais quitter parce que ça commence à m'énerver. Tac. Voilà, je quitte Origin. Moi l'école ça donne le seum. Un peu effectivement. Alors là, j'aurais un peu le seum. Bon, même si moi aussi j'ai une école à côté de chez moi. C'est une école primaire, donc ça va ça. Puis bon, je vois jamais les gosses vu que je travaille moi. Hein. Pas comme certains. Bon, c'est pas le tout de parler de là où on habite. Les gens, j'aimerais avoir votre avis sur ces lampes. Et personne ne m'a encore parlé de ces lampes. Tout le monde parle où il habite, mais moi je m'en fiche. Je veux savoir qu'est-ce que je mets comme lampe. Celle-là ou celle-là? Ou autre chose. Ou autre, voilà. Ça me serait très très utile. En attendant, on va donc faire. On va faire un petit. Une petite cuisine. Alors on va prendre des fours, ça, ça. Avec les escaliers. Ok, donc on a un escalier. Tiens, faudrait faire un sondage en fait. J'aime bien faire les sondages dans les lives. Ça part en steak. C'est drôle. Je vais en faire un peut-être juste après. Tac. On a un four. À côté, on va mettre une table pour les trucs. On va mettre des coffres là. Tout simplement. Par contre, j'aimerais mettre un bar à un endroit. Du coup, faut tout de suite penser où il sera. Alors, on va le faire en spruce. Je pense qu'on va le faire par là. Avec derrière, voilà, des trucs bien sympas. Tac, comme ça, pourquoi pas. Alors, j'ai fait. Non, attends. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que ça fait bien? Est-ce que ça fait barre? Bah attendez, il faut juste faire un truc comme ça au-dessus. Voilà. Mince, je pensais que c'était le. Il y avait un plafond, en fait, non. Tac. On va refermer, même si c'est pas refermé. Alors, est-ce que ça fait barre? Ouais, une note. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais le faire tout de suite parce que sinon je risque d'oublier. Alors là, vous dites faire côté pour un rail. Voilà, vous avez la réponse. On a un grillé comme ça. Par contre, est-ce que le Powerhead ou. Ah non, ça c'est mieux. Regardez le détecteur, il a tout. Regardez. Là, c'est la plaque qui cuit et autour, c'est un rail. Voilà. Bah il est ouvert sur le côté. Oui, on va le mettre comme ça à la limite. On va le mettre comme ça, c'est logique. Non, attendez, je vais arrêter de faire de la merde. On va le mettre. Ah, c'était bien comment je l'avais mis, mais c'est super dur à remettre. Voilà. Je pense que c'est bien. Architect level god, je sais pas. Après, ça dépend de quel god tu parles, mais. j'aurais dû me taire. Mais c'est pas grave, donc. On va pouvoir mettre. Enfin, des trucs pour suspendre peut-être. C'est une proposition après. Tu vas stream jusqu'à quelle heure? Aucune idée. Aucune putain d'idée. Le cochon. Non, c'est toi qui as des idées bizarres. Oui, je sais, mais je fais tout le temps des blagues nulles, Numbert. Et tu dois arrêter d'être trop courant. Depuis le temps quand même.
Du coup, j'arrive pas avec ce bar non plus. C'est pour vous montrer que je suis vraiment nul en décoration intérieure. On va mettre un pot de fleurs. Parce que c'est cool. On va mettre cette. Non, c'est vrai, on peut pas mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre la petite fleur bleue là. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Quand je sais pas quoi mettre, je mets des fleurs. Viens sur ma meule. Attends, je vais venir après. Tac. J'ai vraiment envie d'avoir un truc qui suspend le truc. Bah, je suis. Ah, ça va, au niveau construction extérieure. D'ailleurs, je sais pas, pour les nouveaux arrivants, enfin. Oui, mais en intérieur, je parle. Attends, regarde. Donc, ça, l'extérieur, j'adore vraiment cette maison. Mais de l'intérieur, c'est un peu plus. Bah, regardez. Si je vais ici, enfin déjà c'est un gros vide. En fait, seul truc que j'aime bien de cette maison, c'est le bureau. C'est assez spécial quand même. Imposons la dictature des pots de fleurs. Ouais, c'est une bonne idée. Même s'il n'y a aucune fleur, je me rends compte dans ma chambre, mais c'est pas grave. On va mettre je sais pas quoi. Ah bah si, faut peut-être des. Normalement il y a des meubles pour les. Pour les. Comment ça s'appelle? Bah pour là où il y a les alcools tout simplement pour. Enfin où les bouteilles et tout ça. Et tout et tout. Donc on va prendre ça. C'est en spruce que j'avais fait le truc. Oui. Alors ça c'est un gros fail. Voilà, et nous. Et là, c'est un fail aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux que je t'offre des roses pour la Saint-Valentin? Oh oui, ça serait tellement gentil! Ce serait trop gentil, Namur! Tu me ferais tellement plaisir. Oula, alors là, il y a une révolution de pots de fleurs qui se passe dans le chat. J'aurais pas dû mettre des pots de fleurs. Je peux pas mettre de trucs en fait ici. Et il me faut de la lumière aussi. On améliore ça, ouais, c'est joli comme ça. Alors, si on mettait des beacons, parce que j'aime bien les beacons. Je sais pas. je sais pas du tout, donc c'est pareil, dites-moi, parce qu'en fait, il n'y a qu'une personne qui a répondu à cette question aussi, hein, c'est pas possible. Bah, de toute façon, je pense que je vais faire une petite pause là pour faire le sondage parce que j'ai rien d'autre à faire pour faire le sondage au niveau des lampes et aussi pour aller sur Mumble comme ça. Ok? Donc on se retrouve juste après les gens. Donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, c'est la fin du live. Donc je me suis mis la fin de la pause. La fin du live, qu'est-ce que je raconte. Du coup je me suis mis je suis sur Mumble pour ceux qui veulent me rejoindre. Je suis dans le truc live stream pour jouer au number si vous voulez. Sauf si vous voulez que moi je vous rejoigne, vous faites comme vous voulez. Du coup je vais ah oui, du coup j'ai fait le truc. Donc attendez. Bonjour. Bonjour. Bah du coup je vais mieux muter ton stream parce que sinon. Oui, ça risque d'être embêtant effectivement. Bah ouais, parce que t'entendre une fois ça va, mais deux fois c'est chiant quoi. Enfin, je sais pas. Tiens, il y a un chinois dans le chat. Ouais, j'ai vu ça. Tac, alors, voilà. Du quel coup, type de lampe? Donc, bonjour, petit beacon, chinois du 35. Beacon, fusel, beacon, escalier ou autre. T'as vu, il est trop bien mon truc, mon sondage. Ouais.
Mais surtout que moi, mon Super. sondage, enfin ton sondage, je l'ai directement dans le chat. C'est trop bien ça. Trop bien. Ouais. Mais c'est normal, c'est moi qui l'ai envoyé. Oui, non, mais je veux dire, j'ai pas besoin de changer de page, je peux voter directement sur Twitch. Ah ok. Ah oui, c'est Que moi, j'ai pratique. Better Twitch TV, ma gueule. Trop bien. Du coup, Beacon plus dalle et autres pour l'instant. Bah Super. juste pour faire chier, on va voter Glowstone. J'ai eu Glowstone, mais j'aurais peut-être pas dû le mettre. Merde. Alors, ça nous donne donc. Oh non, il y a deux Glowstone en plus. Deux votes. C'est moi, il a peur. Non, mais sans déconner, les beacons tout seuls, ça donne bien. Oh merde, y a des mecs qui m'aiment dans le chat, ça me fait un peu peur. Non, il a pas dit je t'aime, il a dit JTM. Oui, ben ça veut dire ça. Non, ça veut pas dire ça. C'est dire je tombe. Merde. Le mec il me pose des questions sur le lycée, tu sais. T'as fait ton commentaire de texte? Hein? T'as fait ton analyse? Est-ce que t'as fait tes exos de maths? Tu peux me les envoyer s'il te plaît? Tu vois là, il l'a dit clairement. Paul, je t'aime. Tu veux bien me donner ton analyse de texte, s'il te plaît? Putain. Tu m'as tué, connard. Ah là là. Mais du coup, t'en as plus pour parler sur Mumble ou quoi? Parce que. Oui, il faudrait que je change parce que c'est un peu chiant. Ouais. Non, parce que du coup, je suis pas certain. Hein. Parce que je me disais, bon, bah, il parle pas pendant son live, d'accord. Alors attends, je vais mettre. Je vais changer ça. Ouais, parce que comme ça, on saura quand tu parles, quand tu parles pas. Toi, t'as quoi en fait? Ça fait bizarre, Paulus, quand même, ça ressemble à autre chose. De quoi? Ah oui, j'avais pas vu. Oui, effectivement. Oh non, ils font les blagues de merde. Du moment qu'ils ont pas fait encore Pôle emploi, ça va. Oui, Je l'ai Numbert. fait tout seul donc. Non, non, mais ils la font à chaque fois. C'est quoi ton truc, toi? Ça a pu activer tes vocales? Ouais. Ouais. Bah, après, tu fais en fonction de ce qui fonctionne le mieux chez toi. Hein. Ouais. Ouais, bah, je vais voir. J'ai l'impression que ça marche bien. D'ailleurs, sur je suis même pas sûr que c'est activer tes vocales en fait. Attends, je vais vérifier. Vas-y, parce que ça se Alors. désactive quand tu parles pas, donc ça doit être ça. Ouais, mais moi, il y a les deux qui font ça. Non, moi, je suis en amplitude justement, tu vois. Ah oui, non, d'accord, je suis en activité vocale et je suis amplitude. Il y a soit amplitude, soit signal bruit. Ouais, bah Moi, je c'est suis en ça. amplitude. Bon, est-ce que Hé, ça hey marche? Paul, donne-moi ton analyse. Est-ce que ça marche? Ouais, ben ça marche pas très bien. Hein. Moi, je sais pas, ça bug chez moi. Ça Bah, s'active pas faut en fait. régler le truc comme il faut. Je Faut le régler. règle. Bah, ouais, mais non, tu l'as pas fait. Bah si, je l'ai fait. 35 en force. D'accord. Pas grave. Ah non, c'est parce que j'ai mal réglé en fait, je crois. Bah ouais, c'est nul. Bref, allez, dis-moi que c'est bon. Oui, c'est bon, parfait. Bon, attends, je teste. Est-ce Et que donc, ça marche? 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Ah bah c'est cool. Bon, du gauche, je suis là. Ah! Paul, on va venir chez toi, là. Ça commence à devenir bizarre dans le chat. On Bon, va te brûler. Du coup, on va mettre une porte à ce frigo. Parce que c'est un frigo en fait. Comment tu fais pour lire les commentaires et en même temps réussir à faire ton truc sur Minecraft? C'est toi qui poses la question? Ouais. Bah, c'est très compliqué en fait. Bien ce que je me disais. Surtout que moi, quand généralement, j'ai du mal à construire et à dire des trucs intéressants en même temps. Ah non, moi ça j'arrive très bien, mais ce que j'ai du mal à faire, c'est lire un chat. En fait, j'arrive pas à lire quelque chose et en même temps faire quelque chose. C'est un peu con, effectivement. Enfin, en fait, tu veux, je suis obligé de perdre un moment d'attention sur ce que je fais pour pouvoir lire le chat. Ouais.
Peut-être parce que j'ai un écran trop grand aussi, en fait. Je suis en train de me dire. J'ai fait le frigo le plus bizarre du site. Ah, j'ai un écran trop grand, ça fait chier. Oui, c'est un peu ça. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, là, tu sais, mon Minecraft, il fait... Bah, je l'ai en 720p, donc 1280 par 720. Et du coup, bah, ça monopolise un petit peu le regard, tu vois. Bon, c'est un peu la merde pour faire ce putain de frigo. What? D'accord, il y a quelques bugs quand même. Waouh, c'est beau. C'est trop beau. Waouh. Non, on parle pas on à parle toi, de quelque chose. D'accord. Quelque chose entre nous. Je veux même pas savoir. On va rajouter un peu de verdure, parce que c'est pas très joli. Ah ouais, et Paul ? Mmh. Tu dis quoi toi comme logiciel de streaming ? OBS. Ok, et t'as fait comment pour avoir les vidéos disponibles ? Je sais plus, je suis allé voir un tuto. Like. Non, parce que moi j'avais trouvé un plugin, mais il est pas compatible avec ma version, et du coup j'ai pas retrouvé de truc vidéo. Ah, je crois que c'est un plugin justement, moi aussi, mais ça marche, moi. Like. Mais t'as la dernière version OBS ? Bah oui, il vient de faire la mise à jour. C'était d'accord. Hier qu'il a fait la mise à jour, je crois. Ok. Merci. Oh mon dieu. Ah non, c'est moche. Là. Ah. Ça fait mal aux yeux. Oui, très stress la malle. Et on se tape dedans. Mais t'as pas activé le truc ? Si, 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 mais t'as juste à détruire les arbres. Enfin, les arbres, entre guillemets. Bah non, normalement ça devrait tout supprimer sans qu'on supprime tout, si. Ah, ça c'est une commande. Ah. Mais je l'ai pas fait encore. Là, t'as juste à détruire le bois et ça part tout seul. Voilà. Ok. Farpait, farpait. Bon, on va en mettre un autre. En espérant qu'il soit plus beau. Il y en a un qui t'a proposé quelque chose, Paul, dans le chat. Oui, j'ai vu, bah, je l'ai fait du coup. Like. Ah, par contre, moi, j'ai fait un truc pour que ce soit plus joli et je peux plus appuyer sur le bouton. Du coup, bon, on va dire que c'est. On va laisser ça comme ça, on va dire que le frigo il marche, mais en fait, on ment. En fait, non, lol. Par contre, Hugo, faudrait peut-être faire quelque chose pour empêcher la sortie. Oui, on va faire une muraille. Et... Faut attends, faire moi, la même que celle ici. Ouais. La grande muraille de Chine. De 3 de haut, pas plus des trucs. Ouais, c'était pas drôle. Ça me rend triste ce que vous dites. Et tu passes à peu près par là. Enfin, dans les arbres. C'est bizarre, mais oui, tu passes dans les arbres. Passe pas en bord de map. Non, pas comme ça. Pourquoi ? Parce que. Ça, je passe comme ça. Ouais, mais après ça fait tout droit, c'est pas beau. Et non, on va changer un petit peu. Et là, on fait comment? On casse les feuilles du coup? Non, non, mais laisse-les, justement. Ah. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Vous êtes sur le serveur de Jugo? Oui. Non. On est en train de faire la muraille. Pas du tout, tu mens. J'ai pas de preuve. Je vais peut-être venir vous rejoindre. Ouais, l'IP a pas changé, je crois pas. Ok. Il faut que je change de version parce que je suis en 1.7. Ok. Bon, et si bah, on veut pas de toi, tu fais comment ? Eh bien, t'es obligé de m'avoir, donc voilà, t'as pas le choix. Ça va, tu t'es pris pour qui ? Bon, du coup, je crois que c'est le plus important. Pour suivre, voilà. Si je devais suivre vraiment les votes du Strapol, bah je devrais mettre de la glowstone. Or, donc, c'est dégueulasse. Donc, merci les gars. Bisous. Vraiment. Bah, tu peux pas, enfin, ouais, voilà. Ne nous remercie pas, franchement, c'est normal. C'est cadeau. C'est gratuit. Je mets juste la pause les gens pour changer de version de Minecraft. Mais... Les gens. Les gens.
Vous êtes même pas des viewers, vous êtes des gens. Les gentils, lol. Ça c'était nul. Et ouais, après on dit que je fais des blagues de merde, mais... Bah ouais, mais demande à Hugo, la mienne elle était encore plus merdique, c'est pour ça que j'ai gagné. Ouais, c'est... On fait le concours de la blague la plus merdique. Oh la vache. Je gagne tout le temps, bah si tu veux en fait on fait ça avec... par contre là il y a un problème, Hugo. Ouais, je sais, on va pouvoir passer donc... Ah, c'est pour ça que tu refais le truc. Ouais, j'essaye une fois. Ah bah non, ça marche pas. Lol, regarde, je suis passé. Ah, t'es nul. Ah, ta gueule. Oui, monsieur. Pardon. Comme il est martyrisé, Number. Non. Faudrait pas qu'on puisse monter là, en fait. Bon, en fait, regarde, Hugo, il y a aussi un problème ici. Oui, bah attends, Youh, je peux pas tout faire en même temps. Non, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est surtout enlever l'arbre, parce que c'est surtout ça qui gêne. En fait, il est surtout moche, en plus. En plus. T'as vu comment j'ai enlevé l'arbre vite fait? Ouais. Bravo, félicitations. Donc j'applaudisse aussi peut-être. Par contre, du coup, ça fait très moche, ça, je trouve. Mais bah, attends. Ah, voilà. Tu vois, quand tu dis moche, on en parle de ton cimetière. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu te rappelles pas des cimetières que t'avais fait? Non, c'était absolument pas tombeau. Ce que tu parles. C'était un tombeau. Ah, c'était un tombeau. Tout moche. Un caveau. Waouh, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Ouais. Eh bien, jour. Ouais. Eh bien, jour. Du coup, je vais remettre. Non, mais je trouve pas que ce soit très beau comme ça en fait. Oui, bah, je teste des trucs, il faut bien. Ah oui, vous voulez cacher de l'autre côté? Non, on veut surtout qu'il passe pas de l'autre côté. Ouais, puisque surtout que regarde d'ici, tu peux faire ça et hop, tu sors. Ah oui. Même ici. Hein. Bah voilà. On peut plus. Ah mais là ça fait moche du coup, regarde. Puis ici, là regarde, on peut ici. Il suffit de monter ici en fait. Ouais, mais même si y a un truc là-bas. Ici, y a pas moyen. Voilà, et puis on met du un coup, bloc ici, et puis c'est voilà, bon. C'est ça. Et regarde. C'est trop beau. Et après, on peut passer par là, sauter sur les arbres et... Au revoir. Mais oui, mais on met des blocs barrières, et puis c'est bon. Ouais. Totalement d'accord. En fait, ouais, faudrait mettre un bloc barrière ici, là. Non, mais on va mettre deux couches sur le muraille. Enfin, deux couches en hauteur. Non, ici, un bloc barrière ici, ça suffit, hein. Non, mais on va mettre comme ça. C'est ce que je comptais faire de toute façon sur toute la muraille. Ah. Ouais, si tu veux, mais enfin. Tu sais, ça peut être un point stratégique de se mettre. Attends, faire tout ça. Genre de se mettre ici. Enfin, je veux dire, tu sais, ça. Mais ça d'ici, rajouter tu un peux... petit. Tu peux passer. Ah non. Bah non, justement, si tu mets un bloc barrière. Ça, ouais. Oh, bah si tu veux, tu peux te mettre ici. Non, mais regarde, si tu mets un bloc barrière ici, là. Regarde, ici, là. Moi, je pense que c'est bon, là. Alors tu fais ça, là tu peux pas passer ici ni nulle part. Par contre ouais, après, si on... ouais voilà c'est les arbres qu'il fallait mais bien c'est, mettre c'est un truc. C'est bon, ouais. Là mais tu mets le truc et puis c'est au calme. Calme. Tranquille. Voilà. Bon, du coup il va falloir faire un petit peu la déco de la muraille, parce qu'elle est toute belle. Et moi je veux qu'elle soit toute moche. Ah ouais mais du coup par contre ça fait pas beau de faire ça. Mais au pire, voilà, on voit là pas. C'est mieux. Mais on le voit pas. Bah hein, si, ça se voyait. Non mais parce que regardez. Non mais. Ah, mais voilà, regarde, là, remets-le. Là on peut, regarde, on peut passer par dessous du coup. Ouais, mais comme ça. Non, tu peux pas. Si, en regarde. Fait... Mais non, mais regarde, ah. C'est ça le problème. Ah. Regarde la muraille là. Ah oui, au niveau des. Ah oui, des... je vois. Là c'est mieux. Bah oui, mais là on peut passer. Non, on peut pas. Si, regarde. Ah, ici, mais je vois pas le problème. Bah après on pourrait monter sur les arbres. Et ah sortir. Bah ouais, mais dans ce au cas-là, pire, on en met juste un seul ici. Mais non. Oui, faut juste. Oui, voilà. Ou au pire, on en met un là. Comme dans ça. Ce cas-là, ouais, bah comme ça, voilà. Et tu laisses une place ici pour monter. Ouais. Oui, ça a lagué pendant un instant sur le live. Enfin, ça lag encore un peu. C'est un serveur que ça lag plus en fait. Il critique mon serveur. Non mais sur tous les serveurs parce que... c'est pas du tout comme si c'était gratuit. Oui c'est pas ça le problème. Même si c'est... Ça pose problème aussi.
Alors bon, on fait quoi maintenant? On va aller faire un petit chemin là-bas, je pense. Ah oui, ici on a rien fait. Bah du coup, je vais juste redémarrer le live, les gens, pour que ça soit de meilleure qualité, peut-être. Donc on se retrouve tout de suite. Est-ce qu'il est gentil? Thunder, tu viens m'aider? Oui.